Ladies and gentlemen, dear civil servants and state employees of Cameroon, you and us, this is the new interactive exchange forum that MINFOPRA wants to open to the public in general, but especially to you, users of the public service. Indeed, the dynamism of the digital platforms of the Ministry of the Public Service and Administrative Reforms has enabled to be more diligent in the processing of files, to relieve the congestion of several services, and to reduce physical contact between users and MINFOPRA staff. Through the You and Us platform, we want to enable you to speak personally and directly to the Minister of the Public Service and Administrative Reform that I am, and to my main collaborators, namely the Secretary General, the Inspector General, the Permanent Secretary for Administrative Reforms, and all directors. We also want to make the Cameroon public administration more accessible, in keeping with the directives of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, directives that we are implementing under the authority of the Prime Minister, Head of Government, Mr. Joseph Dionwute. We also aim at densifying MINFOPRA's information and social relation functions, and as much as possible to improve your level of satisfaction through quality services delivery. Ladies and gentlemen, this interactive dialogue that we are establishing with you, the users king, will be carried out on all MINFOPRA's digital platforms every Friday at 3 p.m. To this end, and in order to provide you with facts, dates, and figures drawn from reliable sources, we have mobilized more than 50 collaborators here at MINFOPRA who will be called upon to investigate, delve, and probe everywhere in our various structures where the answers you need are likely to be found. Thank you for your kind attention. Mesdames et messieurs, chers fonctionnaires, et agents de l'État du Cameroun. Vous et nous, c'est le nouvel espace d'échange interactif que le MINFOPRA se propose d'ouvrir au public en général, mais surtout à vous, usagers du service public. En effet, le dynamisme des plateformes numériques du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a permis d'imprimer plus de diligence dans le traitement des dossiers, de désengorger plusieurs de nos services et de réduire le contact physique entre usagers et personnel du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. À travers la plateforme Vous et nous, nous entendons vous permettre de parler personnellement et directement au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, ainsi qu'à ses principaux collaborateurs que sont le secrétaire général, l'inspecteur général, le secrétaire permanent à la réforme administrative et tous les directeurs. Nous voulons également rendre plus accessible
l'administration publique camerounaise, conformément aux hautes directives du président de la République, Son Excellence Paul Biya. Directive que nous mettons en œuvre sous l'autorité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr. Joseph Diongouté. Il s'agit aussi de densifier les fonctions d'information et de reliance sociale de notre département ministériel et, autant que faire se peut, améliorer votre niveau de satisfaction par la qualité des services que nous sommes appelés à vous rendre au quotidien. Mesdames et messieurs, ce dialogue interactif que nous instaurons avec les usagers rois que vous êtes aura lieu sur toutes les plateformes digitales du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative tous les vendredis à partir de 15h. À cet effet, et pour vous donner des faits, des dates et des chiffres puisés à bonne source, nous avons mobilisé ici au Milfopra pas moins de 50 de nos collaborateurs qui seront mis à contribution en allant fouiller, creuser, bêcher partout, mais alors partout dans nos différentes structures où se trouvent sans doute les éléments de réponse dont vous avez le plus grand besoin au quotidien. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous passe la parole. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Moi, c'est Omar Ousanda Adama de la promotion 2021 des infirmiers vétérinaires adjoints. Et il y a de cela presque 6 mois que nous avons fait la prise de service et la prise en charge collective au niveau du Minfopra. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas mon dossier suivre son parcours comme les autres dossiers des mails de mes camarades de la promotion 2021 des infirmiers vétérinaires adjoints. Donc, je vous prie de me dire s'il y en a des soucis sur mon dossier, s'il y en a des incomplètes dans mon dossier, pour que je puisse faire compléter ce dossier pour qu'elle suive son parcours. Parce qu'il y en a, mes camarades, mes promotionnaires des infirmiers vétérinaires de la promotion 2021, quel est le dossier sur les parcours qui sont à la porte de la matriculation de leur dossier. Mais pour moi, jusqu'à présent, aucun signe au niveau du système du Minfopra. Quand je consulte au niveau du suivi et parcours du dossier, je ne trouve pas mon nom au niveau de cette recherche. Eh bien, monsieur Sanda Adama, Oumaru, merci pour l'intérêt que vous apportez à ce que nous faisons ici au Minfopra. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Vous avez des préoccupations que vous êtes en train de soulever, que vous venez de soulever. Je peux tout de suite vous rassurer que votre dossier existe effectivement ici dans nos services. Ce dossier a été transmis aux services compétents le 14 juin dernier. Alors, cependant, M. Sanda, il a été constater qu'il manque une ou deux pièces, notamment le certificat médical. Le certificat médical qui est exigible au regard de la réglementation en vigueur. C'est une pièce fondamentale que vous devez fournir lorsque vous déposez le dossier ici. Alors, ayant constaté cela, les services qui sont chargés de traiter le dossier l'ont un peu mis provisoirement de côté, le temps pour vous de nous envoyer cette pièce, parce que vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à nous ici à Yaoundé. Vous ne nous avez certes pas indiqué dans quelle région vous êtes, dans quelle ville vous êtes, mais le conseil que je peux vous donner, c'est de vous rapprocher de la délégation régionale la plus proche de votre lieu de service ou de résidence. Et dans notre délégation régionale du Minfopra, vous pouvez déposer ce certificat de visite médicale qui nous parviendra. Mais en déposant ce document physique au niveau de notre délégation régionale, vous pouvez également tout simplement scanner ou filmer le document en question et vous nous l'envoyez vous-même
Et je vous communique le numéro à document. C'est le 693 34 53 71. 693 34 53 71. Il s'agit d'un numéro WhatsApp, c'est pourquoi j'ai dit qu'on pouvait scanner le document ou alors le filmer simplement et nous l'envoyer. Lorsque nous l'avons reçu, nous allons l'imprimer et l'introduire dans votre dossier qui va immédiatement reprendre son cours normal et vous pourrez le suivre en ligne dans notre application CIGPES ou dans notre site web. Et même, nous allons vous informer au fur et à mesure de l'évolution du dossier, surtout lorsqu'il y a un problème. Parce que nous sommes en mesure maintenant de vous envoyer des messages par SMS. C'est pour cela qu'il est bon que vous nous communiquiez souvent vos informations vraiment de façon complète. Vos contacts, les plus détaillés possibles. Numéro de téléphone, nom, prénom, numéro matricule et autres. De telle sorte que l'information soit fluide entre vous et nous. Que le courant passe, comme on dit. Donc voilà, M. Oumarou Sanda Adama, les quelques éléments d'information que je peux vous apporter pour le moment. Alors, envoyez-nous rapidement ce certificat de visite médicale et nous allons également accélérer la procédure de traitement de votre dossier. Merci une fois encore, M. Sanda. Excellence, M. le ministre. C'était un plaisir pour nous, n'est-ce pas, de vous inboxer à travers cette courte vidéo. Je suis Mbete Mifire Mohamed. J'ai déposé mon dossier pour contractualisation en mars 2021. Souhaitant, n'est-ce pas, savoir à quel niveau se retrouve ce dossier-ci déjà. Ce dossier à votre disposition déjà ou encore dans d'autres services. Merci, monsieur le ministre. C'est là que se trouve, n'est-ce pas, notre inquiétude, notre souci. Objet, n'est-ce pas, de votre contact. Merci, excellent, monsieur le ministre. C'était un plaisir davantage de côtoyer, n'est-ce pas, votre service et de savoir combien l'usager est roi dans votre département ministériel. Merci, monsieur Betemé, de constater vous-même que l'usager est roi. Vous êtes effectivement des rois. Alors, s'agissant du problème que vous posez, celui de votre contractualisation, je dois avouer que nous avons fait toutes les recherches possibles, mais nous n'avons pas trouvé votre dossier dans nos services, dans le cadre de la contractualisation à laquelle vous faites allusion. Nous ne savons pas exactement à quel niveau vous avez déposé votre dossier, à quelle personne vous avez donné votre dossier. Mais j'ai bien peur que ce soit un problème un peu difficile en ce qui vous concerne. Parce que nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a beaucoup de personnes de mauvaise foi, de mauvaise alloi, qui arnaquent les jeunes comme vous, M. Betemé, qui disent que nous allons vous faire entrer dans la fonction publique à travers une contractualisation. Alors donnez-moi telle ou telle somme et le dossier et je vais l'amener pour que vous soyez contractualisé. Je voudrais vous dire une fois encore à vous-même ainsi qu'à tous les autres jeunes compatriotes de ne pas vous laisser tromper par ces marchands d'illusions. Vous ne nous avez pas dit, je l'ai signalé tout à l'heure, à qui vous avez donné le dossier, mais je serais heureux que vous me disiez à qui exactement vous avez donné le dossier ou alors dans quel service vous avez déposé ce dossier, parce que j'ai vraiment peur, comme je viens de vous le dire, que vous soyez tombé dans le piège des arnaqueurs. Parce qu'il faut préciser, mon cher ami, mon cher Betemé, Ahmed, que oui, on a parlé de contractualisation il y a 2 ou 3 années. Mais il ne s'agissait pas de nouveau recrutement, mais de la normalisation d'une situation qui concernait les ex-temporaires
de 4 administrations, à savoir la présidence de la République, les services du Premier ministre, le contrôle supérieur de l'État et le ministère de la Défense. Donc, ce sont ces administrations qui avaient un certain nombre d'agents temporaires et pour lesquels nous avons reçu l'autorisation, nous avons reçu des instructions pour que ces personnels, leur situation soit normalisée. Et rien d'autre. Mais alors, rien d'autre. Cependant, nous avons été effectivement au courant du fait qu'il y en avait qui sillonnaient les villages, les quartiers, les villes, hein, pour demander de l'argent aux jeunes et à leurs parents, en leur disant, nous allons vous contractualiser. Alors, j'espère que ce n'est pas votre cas, M. Bettemé, mais si vous avez plus d'informations, des informations beaucoup plus précises là-dessus, veuillez nous les faire tenir, peut-être par le même canal, ou alors à travers nos numéros de téléphone. Nous avons par exemple un numéro qui est gratuit, c'est le 1522, c'est un numéro vert. Hein? Donnez-nous les informations et nous allons essayer de mener des enquêtes pour nous assurer que vous n'êtes pas tombé dans un piège que je n'oserais pas qualifier. Merci une fois encore. Bonjour Monsieur le Ministre. Moi je me nomme Monsieur Tchakoumi Tchakoum-Tefran Gaël, enseignant d'informatique au CETIC de FAM Lundiogo. Monsieur le ministre, vous allez m'excuser de vous indisposer ce matin. Je n'ai vraiment pas le choix. J'ai une inquiétude. Il y a 4 mois, je suis entré en possession de mon acte de reclassement. Après avoir fait la décharge, je me suis rendu compte que l'acte portait des erreurs vraiment qui laissaient à désirer, monsieur le ministre. Comme vous pouvez bien le constater à l'entête, il est écrit portant le classement de monsieur Tchakoumi Tchakoum Tefran Gaël, c'est bel et bien moi. Mais quand vous regardez au niveau du décret là, il me semble que on a fait du copier-coller. Bref, tout le paragraphe de l'article 1 jusqu'à la fin là, ça ne me concerne pas. J'ai comme l'impression que ce sont des informations d'un promotionnaire qui faisait électrotechnique à l'INSEE de Bambili avec qui nous avons fait l'école normale. Donc, ce sont ces informations qui ont été comme ça collées sur mon acte de reclassement. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo pour que vous essayiez un peu de me donner la conduite à tenir parce que je ne sais vraiment pas comment résoudre ce problème-là. Merci. Merci bien, monsieur Tchakoumi. Je dois vous rassurer, hein? Vous ne m'importunez pas, vous ne me dérangez pas. Nous sommes à votre service, hein, c'est notre travail, c'est de vous rendre le meilleur service possible. Et merci surtout d'exciper, n'est-ce pas, l'acte hein, qui est supposé être votre acte de reclassement et qui manifestement, tel que vous le décrivez, semble être en faux. Nous allons tout simplement le prendre, le récupérer tel que vous nous l'envoyez et on va faire toutes les vérifications nécessaires. Maintenant, si jamais, parce que vous-même, vous avez effectivement un reclassement que vous attendez, nous allons vérifier également pour voir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et si jamais il y a eu le copier-coller, comme vous dites, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit, nous allons vérifier et vous apporter toutes les informations nécessaires. Maintenant, s'il se trouve qu'effectivement, il y a un acte de reclassement qui vous concerne, mais où il y aurait des erreurs par rapport au nom, par rapport à votre matricule, par rapport à votre fonction, je ne sais pas très bien quoi. Alors, vous pouvez nous écrire, vous pouvez faire une requête, hein, vous faites une requête et vous nous l'envoyez. Alors, vous pouvez joindre également à la dite requête un certain nombre de pièces, hein, à l'instar d'un timbre, évidemment, lorsque vous faites la requête, c'est une requête timbrée et que vous signez.
vous joignez également une copie conforme de l'acte querellé dont je parle. Dieu merci, nous avons déjà la copie numérisée par vous, que nous allons prendre et examiner vraiment à la loupe. Joignez également, s'il vous plaît, une attestation de présence effective au poste, à votre poste actuel. Lorsque vous nous aurez envoyé ces éléments, nous pourrons être beaucoup plus fixés et vous dire rapidement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et maintenant rectifier tout ce qu'il y a comme erreur. Mais surtout, cela va nous permettre de mener des enquêtes administratives pour nous assurer qu'il n'y a pas eu du faux. Pour nous assurer qu'il n'y a pas eu du faux. Et si jamais il y avait eu du faux, nous allons certainement savoir qui serait à l'origine de cela. Merci encore, M. Djakou. Bonjour, Excellence, Monsieur le Ministre. Je me nomme Sokmam Samuel, contractuel d'administration depuis le 1er juin 2020, affecté au ministère du Commerce, à la délégation du Centre précisément. Je profite à travers cette plateforme que vous avez mis à notre disposition pour vous partager ma tristesse. Depuis 2020, comme vous le saviez, l'opération de contractualisation qui a débuté a permis de contractualiser les temporaires, les personnels temporaires de la présidence de la République et du ministère de la Défense, dont j'en faisais partie. Mais depuis l'affectation, la prise en charge n'est pas effective, ni le contrat signé. Vous pouvez donc imaginer ma peine à pouvoir, n'est-ce pas, vaquer mes occupations chaque matin et de surcroît aussi pouvoir, n'est-ce pas, m'occuper de ma modeste famille. Donc je viens à travers cette plateforme que vous avez mis à notre disposition, que je tiens déjà à vous remercier, vous soumettre ma préoccupation et essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque l'avancée de mon dossier. Je suis déjà à deux ans de service. Et jusqu'à ce jour, certains de nos promotionnants ont pu bénéficier des matricules et autres, mais moi, à ce jour, rien. Donc, je vous remercie, excellent monsieur le ministre, pour votre prompte réaction. Merci. Merci bien, mon cher Samuel. Je dois d'abord vous féliciter, parce que ça fait quand même 2 années que vous travaillez. Vous n'avez pas de matricule, vous n'avez par conséquent pas de salaire, vous n'avez pas encore tout à fait reçu votre contrat de travail, et vous-même, vous avez évoqué la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore reçu, c'est parce que nous avons un souci avec cette affaire de l'authentification des diplômes. C'est un préalable incontournable. Lorsque nous recevons vos dossiers, que ce soit des dossiers d'intégration ou de contractualisation, nous avons l'obligation, avant toute chose, de nous assurer que le diplôme avec lequel vous souhaitez entrer dans l'administration publique est un vrai diplôme, est un bon diplôme. C'est pour ça que nous avons l'obligation d'écrire à l'institution qui vous a délivré ce diplôme pour que cette institution nous dise que oui, Samuel Sogmam a effectivement eu son diplôme, ça peut être le baccalauréat, ça peut être la licence, ça peut être le doctorat, mais qu'on atteste que vous avez effectivement eu ce diplôme dans cette institution telle ou telle année. Nous avons donc ce problème-là qui, je dois vous l'avouer, reste une grosse épine sur notre pied, parce que parfois nous attendons longtemps, 6 mois, 1 an, 2 ans, et c'est pour ça que nous avons réfléchi. Et nous sommes en train d'aller vers une solution définitive qui va nous permettre de sortir de cela pour que vos souffrances actuelles ne relèvent plus que du passé. C'est ainsi que nous sommes en train de mettre sur pied une plateforme d'authentification des diplômes. Et dans cette plateforme, nous allons mutualiser toutes les données des universités, des écoles de formation, des administrations publiques qui sont habilitées à délivrer les diplômes, de telle sorte qu'en un seul clic, je puisse, à partir de mon bureau, sans plus avoir besoin d'écrire, à tel ou tel ministre ou tel directeur d'école, pour que nous puissions avoir les informations relatives à l'authentification de votre diplôme. Mais je dois vous dire que ce travail reste encore un peu laborieux, et
nous allons essayer de relancer l'institution qui a délivré votre diplôme et j'espère que très rapidement nous pourrons avoir la réponse de telle sorte que votre dossier puisse aboutir. Vraiment, c'est le seul souci qu'il y a par rapport à votre dossier et il est sous bonne garde le dossier. Dès que nous aurons cette authentification, nous allons faire ce qu'il faut. Prière d'être encore un tout petit peu patient. Nous en sommes conscients. Merci beaucoup. Bonjour, Excellence, Monsieur le Ministre. Je viens auprès de vous pour un éclairage sur un souci. J'ai un souci de carrière. Alors, j'ai été admis à un concours dans le corps de la production rurale en 2016 où j'étais major des techniciens principaux d'agriculture. Alors, c'est niveau BTS A plus 2. Alors, et déjà, je suis à la cinquième année de service, voire plus, et j'aimerais savoir, puisqu'entre autres, j'ai eu une licence en droit à obtenir à l'université de Soie, et c'était en 2010. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il est possible pour moi de faire un reclassement avec cette licence en droit? Ou alors, il faudrait que j'aille encore à l'école pour devenir ingénieur et venir faire un déplacement. C'est en fait ma préoccupation, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup encore pour cette initiative et cet acte de proximité déjà qui nous permet de vous saisir directement. Merci pour toutes ces innovations. Eh bien, merci, cher monsieur. Malheureusement, je ne pourrais pas vous appeler par votre nom parce que vous ne vous êtes pas présenté. Il serait toujours bon que vous puissiez vous présenter, mais au moins vous nous avez donné quelques indications par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous faites. Vous êtes technicien principal d'agriculture et vous avez eu une licence en droit à l'Université de Yaoundé 2. Est-ce que cette licence peut vous permettre d'être reclassé? À mon humble avis, non. Non, non, non. Parce que vous êtes dans le secteur de l'agriculture, vous êtes technicien principal d'agriculture. C'est dans ce couloir-là que vous devez évoluer. Et pour évoluer là maintenant, soit vous faites encore un concours, mais surtout parce que vous avez déjà accompli 5 années de service, vous avez donc la possibilité de faire un concours professionnel. Évidemment, vous attendrez que le concours professionnel soit lancé. Et dès que vous êtes informé de cela, constituez votre dossier et vous faites le concours professionnel, ce qui va vous permettre de passer ingénieur des travaux d'agriculture. Donc je crois que pour l'instant, c'est ça la possibilité que vous avez, mais pas avec la licence en droit. Non. Merci bien. Bonjour Excellence. Moi, je suis V. Mbama, Crépin Juvence. Je suis titulaire de 2 masters. Un en droit et contentieux, un en droit contentieux fiscaux et financiers des comptes publics et un deuxième master en droit des marchés publics et de la commande publique obtenu à l'Université de Yaoundé 2 Soie. J'aimerais savoir, Excellence, s'il y a possibilité d'intégrer la fonction publique par un recrutement spécial ou par un recrutement direct, vu malheureusement que je ne peux plus faire des concours à la fonction publique au regard de l'âge. Merci, Excellence. D'accord. Monsieur V. Bama, bravo d'abord pour vos 2 masters. Mais je constate également que les possibilités deviennent très, très limitées pour vous dans la mesure où vous avez dépassé l'âge. L'âge pour pouvoir entrer dans la fonction publique. Vous n'avez pas dit quel âge vous avez, mais je dois vous dire que l'accès à la fonction publique, l'âge limite, c'est 35 ans. 35 ans pour les concours directs. Mais si vous devez faire un concours de formation qui va durer 2 ou 3 ans, vous devez avoir au maximum 31
ou 32 ans. Alors, maintenant, d'autres possibilités que vous avez évoquées existent, c'est-à-dire un recrutement spécial. Mais attention, les recrutements spéciaux ne sont autorisés que par le président de la République et le premier ministre, chef du gouvernement. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ne saurait se lever un beau matin et se mettre à recruter. Vous imaginez la cacophonie, vous imaginez la pagaille. Ce n'est pas possible. Le travail gouvernemental étant très bien organisé, très bien ordonnancé, très bien encadré, nous ne pouvons que attendre les directives. De telle sorte que si il nous est demandé de procéder à un recrutement comme on a eu il n'y a pas très très longtemps, les 25 000, donc c'est là que vous pouvez peut-être postuler, vous pouvez faire un dossier, vous le déposez et on voit si vraiment vous remplissez les conditions. Cela dit, bravo encore pour vos deux masters. Continuez à regarder, continuez à patienter. Je l'ai dit, malheureusement, vous ne m'avez pas dit quel est votre âge, mais je viens de vous fixer par rapport à l'âge d'entrée à la fonction publique. Essayez donc de voir si vous estimez, si vous constatez que vous n'avez pas encore 35 ans. Vous attendez lorsque nous allons lancer la saison des concours et vous voyez lequel de ces concours vous pouvez faire. Merci encore. Bonjour, Excellence. Je suis Bendou Soubé Constant, agent d'État, matricule 789-281-X, en service au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Humblement, Excellence, permettez-moi de vous dire merci d'avoir mis sur pied cette plateforme. Ma préoccupation ce matin est la suivante. J'ai mon dossier de reclassement en instance à la DGC depuis le 17 février 2022. J'aimerais savoir si mon dossier a des problèmes, si oui, lesquels. Y a-t-il des éléments à compléter dans mon dossier? Quelle est la démarche à suivre? Excellence, je reste à votre entière disposition pour les éventuels renseignements. Merci, mon cher Constant. Oui, je confirme. Votre dossier est effectivement dans mes services. Ici, au Minfopra, il fait l'objet d'un traitement assez diligent. Mais comme vous le savez, par rapport au reclassement ou alors les avenants au contrat, tout ne se limite pas à mon niveau ici. Il y a d'autres services ou d'autres administrations qui doivent apposer des visas sur le dossier et c'est pour ça que parfois ça peut faire le tour de ces administrations et ça prend parfois un certain temps. C'est vrai que nous avons mis sur pied des guichets uniques qui permettent que toutes les administrations apportent leur cachet et qu'on les mette là sur place. Mais je crois pouvoir vous dire que assez rapidement, je vais m'en occuper d'ailleurs personnellement, nous allons essayer de faire ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour que votre dossier puisse aboutir. Et bon service, je crois que vous avez dit que vous êtes au ministère de l'Eau et de l'Énergie. À très bientôt. Bonjour, monsieur le ministre. En effet, moi je me nomme Corgaï Vanima Joël, matricule O006094, maître principal d'éducation physique et sportive. Sorti de l'école depuis 2012. En effet, mon problème, c'est que depuis ma prise en charge en 2012, mon premier bulletin de solde que j'ai reçu était écrit là-bas employé ministère des Finances. Et actuellement, depuis 10 ans, je ne perçois aucune prime d'enseignement, prime d'évaluation, prime de documentation dans mon salaire. Bon, j'ai essayé de me renseigner, on me disait que de monter un dossier. Moi, je ne sais à quelle porte taper pour monter ce dossier. C'est ça mon problème. Je n'ai pas reçu cette prime depuis 10 ans de service. Actuellement, je suis en poste au CS de Meitiamba.
Donc, telle était ma préoccupation. Si c'était à votre niveau qu'il fallait monter un dossier, parce qu'on m'a fait comprendre, et pourtant moi je suis du personnel MINESEC. Moi sur ma fiche de paye, je suis personnel MINFI. Telle était ma préoccupation. Quelle est la conduite à tenir? Et merci monsieur. Merci bien, mon cher Joël. Vous êtes à la recherche de la bonne information. C'est une bonne démarche. C'est une démarche d'ailleurs responsable, je dois le dire. Alors, vous êtes personnel du MINESEC et je voudrais vous dire que le rôle du MINFOPRA se limite à votre recrutement, à votre intégration et nous mettons à la disposition des administrations utilisatrices. Votre administration utilisatrice, c'est donc le ministère des enseignements secondaires. Vous y travaillez, vous dites que vous n'avez pas les diverses primes auxquelles vous avez droit. Vous avez raison d'en parler, vous avez raison de les réclamer, en toute responsabilité d'ailleurs, comme vous êtes en train de le faire. Mais sachez donc que c'est au niveau du MINESEC que vous devez constituer ce dossier pour obtenir vos différentes primes. Et le MINESEC va donc, avec le MINFI, n'est-ce pas, s'assurer que toutes ces primes vous sont reversées, parce que vous les méritez. Donc, un, ministère utilisateur, c'est-à-dire MINESEC, ensuite le MINFI pour le paiement de ces différentes primes. Donc, pour l'instant, au niveau du MINFOPRA, nous n'avons pas grand-chose à faire en ce qui concerne cet aspect de l'évolution de votre carrière. Merci bien. Bonsoir. Je suis Monsieur Ndongo Wunzi. Monsieur Ndongo Wunzi, matricule 711 192R. Je suis IC5. J'avais déposé le dossier d'intégration, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne trouve pas mon dossier en ligne. Voilà ma préoccupation. J'aimerais connaître où se trouve mon dossier et j'aimerais bien connaître la position qu'occupe mon dossier. Parce que les autres ont leur dossier en ligne, mais le mien, je n'ai pas en ligne. Voilà mon problème. Je vous remercie. Merci, mon cher Gislain. Vous nous avez donné beaucoup d'informations, sauf une qui est importante, c'est-à-dire là où vous avez déposé votre dossier. C'était comme vous êtes IC5, c'est-à-dire en Minedup, vous êtes instituteur. Alors, est-ce que c'est au Minedup? Est-ce que c'est au MINFOPRA? Alors, si c'était au MINFOPRA, avez-vous peut-être une référence qui peut nous permettre de commencer, hein, de commencer la recherche pour savoir à quel niveau peut se situer votre dossier maintenant? Mais comme vous nous avez donné votre numéro matricule, nous allons d'ailleurs chercher, et nous l'avons fait. Nous avons fait, mais dans notre système, il n'y a aucun indice. Aucun indice pour nous montrer que vous avez effectivement déposé votre dossier d'intégration chez nous. Donc il faudrait peut-être voir, peut-être au niveau du Minedup encore, ou je ne sais pas quel est le ministère qui vous utilise en ce moment, de telle sorte que nous soyons tous fixés. Évidemment, nos portes vous restent ouvertes. Hein. Lorsque vous aurez ces éléments d'information, ressaisissez-nous et nous allons mettre tout en œuvre pour que ce dossier avance normalement et peut-être même, pas peut-être, qu'il avance rapidement. Voilà, merci. Excellences, Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, nous apprécions énormément toutes les initiatives que vous prenez à l'égard des agents de l'État que nous sommes. Je m'appelle Ngumeting Tejiongé Stéphane Raoul, matricule 710 173 W. Je suis instituteur contractuel vague 2010, ayant postulé pour l'intégration à la fonction publique du 20 octobre 2021. Ma préoccupation, comme pour la plupart, je suppose, se situe à deux endroits. La première,
La position de mon dossier se trouve-t-elle au MINFOPRA ou dans mon ministère d'origine? La seconde, si oui, est-ce un dossier complet que est-ce un dossier complet, nous qui n'avions pas eu nos derniers avancements en main? Sinon, comment procéder pour le compléter? Je vous remercie, Excellence. Merci, mon cher Stéphane Raoul. Vous avez été suffisamment complet en nous donnant l'information. Mais évidemment, comme vous, nous sommes encore un peu perdus par rapport à la position actuelle de votre dossier. Vous avez introduit ce dossier d'intégration en octobre 2021. Mais je dois vous avouer, mon cher Raoul, que nous avons cherché. Nous avons cherché ici, lorsque nous avons reçu votre message, mais rien ne nous indique pour le moment que ce dossier d'intégration soit parvenu au niveau du MINFOPRA. Est-ce qu'il faut penser qu'il est encore au niveau du MINEDUB? Ça, nous allons voir avec mon collègue du MINEDUB et ses collaborateurs et collaboratrices pour qu'on essaie de rapidement voir à quel niveau se trouve ce dossier et surtout répondre à vos préoccupations parce que vous souhaitez savoir si ce dossier est complet ou pas parce que vous êtes prêt à apporter les éléments pour la complétude du dit dossier. Donc, soyez encore un tout petit peu patient. Et très rapidement, nous pourrons revenir vers vous. Ou alors, relancez-nous, hein? Nous sommes là pour ça. Nous sommes à votre service. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Bonsoir, Excellence. Moi, c'est Pougoum Ossi Jude Merlin, enseignant de mathématiques au lycée bilingue de Bertois. Matricule 653-583-M. Excellence, je viens vers vous parce que j'ai une préoccupation. Mon dossier de reclassement, retour sur titre. Depuis 2019, sortant de l'ENS de Bambili, est bloqué au MINFOPRA Yaoundé. Je viens vers vous pour que vous puissiez faire bouger. Eh bien, merci. Merci, Jude Merlin. Oui, votre dossier est effectivement le dossier de reclassement, effectivement au MINFOPRA. Mais il se trouve qu'il est incomplet. Il est malheureusement incomplet. Il manque votre attestation de fin de stage. Il manque également la copie certifiée de votre acte de naissance. Vous voyez, c'est des documents qui sont très utiles lorsqu'il faut constituer un dossier au niveau de l'administration publique. Hein, ces éléments, nous ne les avons pas, mais tâchez de nous les envoyer rapidement. Je ne vous demande pas de venir à Yaoundé. Comme vous êtes à Bertois, vous pouvez les déposer à notre délégation régionale de l'Est, à Bertois. Mais vous pouvez aussi nous les envoyer, mais vous faites les deux concomitamment. Hein. Vous scannez les documents que nous vous demandons, à savoir attestation de fin de stage et une copie certifiée de votre acte de naissance. Vous les scannez, vous nous les envoyez au numéro WhatsApp que nous avons ouvert pour vous. C'est le 693 34 53 71. 693 34 53 71. Lorsque vous nous aurez envoyé ces éléments, nous allons faire toutes les diligences nécessaires pour que votre reclassement puisse avoir ses effets. Donc, merci une fois encore et nous attendons de vous ces divers papiers. Bonsoir à vous, Excellence, Monsieur le ministre de la Fonction publique. Je suis Monsieur Etoitoa Georges Michel, instituteur contractuel depuis septembre 2009, matricule 695-272B. J'ai déposé auprès de votre département ministériel un dossier d'intégration qui jusqu'aujourd'hui n'a pas abouti. Excellence, voilà pourquoi je viens à vous, auprès de vous, pour votre haute bienveillance, afin que ce dossier connaisse un meilleur suivi. Merci pour votre haute compréhension et recevez ma plus haute considération. Merci. Merci bien, Georges Michel. Oui, votre dossier est arrivé chez nous le 12 mars, le 12 mars 2022. Donc, nous l'avons d'ailleurs intégré dans le cadre du traitement rapide des dossiers des enseignants. Nous appelons cela initiative à résultat rapide. Je crois donc pouvoir vous dire que assez rapidement, vous devriez avoir des informations relativement à ce dossier d'intégration.
et nous aussi, nous allons vous saisir rapidement par voie de SMS ou par d'autres canaux pour vous donner ces informations. Veuillez tout simplement être un tout petit peu patient. Oui, le dossier est à notre niveau. Merci encore. Bonsoir à vous, madame, monsieur. Je suis Fouapon Ngapout Hassan. Je suis instituteur contractuel de la 5e vague, recruté dans mon contrat le 1er octobre 2010. J'ai déposé en fin de mois de novembre 2021 mon dossier d'intégration à la délégation régionale de l'éducation de base de l'Ouest à Bafoussam. Récépissé de dépôt de dossier tel que vous le voyez, récépissé de dossier numéro 630. Et l'autre précision, c'est que depuis ma contractualisation, mon nom avait été saisi avec erreur. Mon nom s'écrit Fouapon Ngapout Hassan. N-F-O-U-A-P-O-N pour Fouapon. Puis matricule 727-132Q en service comme directeur de l'école publique de Fumbo Centre, groupe 4. Donc mon nom se crie avec N-F-O-U-A-P-O-N pour Fouapon. Ngapout N-G-A-P-O-U-T et Hassan A-2-S-A-N. Merci bien. Ok, monsieur Fouapon, oui, il se pourrait justement qu'il y ait une erreur lorsque votre nom a été saisi dans votre dossier d'intégration. Et c'est ça qui peut faire que les choses ne bougent pas beaucoup, parce que lorsque mes collaborateurs qui traitent un tel dossier se rendent compte qu'il y a discordance entre les noms qui se figurent dans deux papiers différents, ils sont obligés d'observer une pause pour s'assurer qu'il s'agit d'une seule et même personne. Donc, nous allons essayer de voir ça rapidement. Je vais les relancer pour qu'ils me disent ce qu'il en est exactement. Vous posez d'ailleurs une autre préoccupation. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un certain nombre de pièces qu'il faut fournir. Il s'agit d'un certain nombre de pièces qu'il faut fournir. Et à cet effet, vous devez constituer un petit dossier, commencer par une requête timbrée que vous déposez à la délégation régionale du Minfopra, là-bas à Bafoussam, à l'ouest, et à côté de la requête, vous allez joindre une copie conforme du contrat de travail qui est corrélé, parce que vous dites qu'il y a erreur sur le nom. Donc, si vous avez une copie de ce contrat, vous le joignez, le contrat, et vous faites aussi une attestation de présence effective au poste, votre poste actuel. Alors, comme je l'ai dit à vos autres collègues, à d'autres fonctionnaires et agents de l'État, nous avons désormais la possibilité de recevoir vos documents soit par email, soit par WhatsApp. Vous nous envoyez ces documents numérisés par WhatsApp, et vous déposez les dossiers physiques, les copies physiques, au niveau de la délégation régionale du Minfopra, là-bas à Bafoussam. Nos collaborateurs sont à votre disposition et peuvent donc vous recevoir. Alors, ceux qui doivent venir par WhatsApp, je reprends le numéro, c'est le 693-34-53-71. 693-34-53-71. C'est des méthodes que nous sommes en train d'expérimenter, que nous sommes en train d'appliquer en ce moment pour un traitement beaucoup plus rapide des divers dossiers, pour éviter que la paperasse traîne d'un service à un autre, d'une délégation à l'autre. Et ça nous permet en tout cas de gagner en temps, parce que nous sommes en train de nous acheminer vers une administration pratiquement sans papier. Il faut alléger le plus possible les procédures, comme nous le demande le président de la République. Donc, envoyez-nous ces documents par WhatsApp au numéro que je vais indiquer, et les versions physiques, vous les déposez à Bafoussam. Nous allons pouvoir travailler sur votre dossier. Merci encore.
Excellence, Monsieur le ministre, bonjour. Honneur vous faire part de la situation de mon dossier de demande de reclassement depuis 2009. Je m'appelle Madame Chake Ide Tadman, matricule 665-459S. Jusqu'à ce jour, mon dossier est resté au SDFCD et je travaille à l'adresse OS, secrétaire à la sous-direction des examens et concours. Et bientôt, Excellence, dans 3 ans, je serai en retraite et mon dossier reste toujours en instance. Merci, mon père. Merci beaucoup de tout ce que vous faites pour nous. Merci, Excellence. C'est moi qui vous remercie, Madame Chake, pour votre patience, pour votre sens des responsabilités. Effectivement, votre dossier a traîné. Il a traîné pour une raison simple, cette histoire d'authentification des diplômes. Hein? Mais ce diplôme que vous avez obtenu à l'Université de Tchang, Dieu merci, et là je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu enfin le retour de l'authentification le 2 juin 2022, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, il y a quelques 2 ou 3 semaines seulement, que nous avons reçu le retour d'authentification et j'ai immédiatement instruit mes collaborateurs pour que cette authentification soit introduite dans votre dossier qui va maintenant poursuivre son cours normal. Madame Chake, encore un tout petit peu de patience, je m'en occupe personnellement parce que vous avez fait preuve de responsabilité. Bon séjour à l'Ouest. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, chers fonctionnaires et agents de l'État du Cameroun, c'était là le premier essai, le tout premier d'un nouvel exercice que nous voulons engager avec vous dans le cadre de la facilitation des procédures administratives. Nous avons voulu, n'est-ce pas, avoir ce contact direct avec vous, que vous nous posiez directement vos préoccupations et que nous vous apportions des éléments de réponse. Les réponses sont-elles totalement satisfaisantes ou non? Je n'en sais rien, mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'un début. J'ai mis en branle pas moins de 50 de mes collaborateurs pour que nous puissions, chaque fois que nous recevons votre préoccupation, rentrer dans les dossiers, voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme problème, et vous donner la réponse exacte, la plus exacte possible. Donc, nous allons continuer ainsi. Nous sommes à votre écoute. Portez vos préoccupations et vos problèmes à nous, en toute responsabilité, comme vous le faites, parce que nous sommes à votre service. Homme, il faut pas, l'usager est roi. C'est pour ça que nous devons nous plier en 4 pour vous apporter le meilleur service qui soit. Alors, tout simplement, pour ceux qui ont encore des difficultés, un peu de patience, et nous allons y arriver. Nous voulons faire de notre administration une administration de progrès, une administration qui va le plus loin possible pour atteindre sa cible, ses cibles, c'est-à-dire les usagers du service public que vous êtes. Nous sommes là pour ça et une fois encore, nous vous remercions pour l'intérêt que vous accordez à ce que nous essayons de faire pour voir le meilleur service. Bonjour ou bonsoir. Wow.